Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. Il en est persuadé, selon lui, l'éducation nationale ne remplit plus son rôle en France, et cela pour une raison principale, plus personne ne voudrait transmettre le savoir et la culture. Dans son livre « Les déshérités » ou « L'urgence de transmettre », François-Xavier Bellamy identifie les causes et il imagine également les solutions. Merci d'être avec nous, François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Merci à vous. Vous êtes donc l'auteur de ce livre. Vous êtes également enseignant agrégé de philosophie. Vous dressez dans votre livre un tableau sombre de l'éducation en France. La situation est-elle si grave que cela ? La situation est extrêmement grave et personne ne m'a attendu pour dresser ce tableau. Les chiffres que je cite d'ailleurs dans cet ouvrage sont quasiment tous issus des rapports du ministère de l'Éducation nationale eux-mêmes. Pour qu'on ne puisse pas m'accuser de partialité. Mmh. D'ailleurs, mon propos n'est pas tant de dresser un diagnostic que tout le monde connaît. On connaît les difficultés très grandes de beaucoup d'élèves par rapport à la lecture, par rapport à l'écriture, à des compétences de base. On sait le nombre aussi de décrocheurs, de ces élèves qui quittent le système scolaire sans avoir terminé leur cursus, sans avoir jamais obtenu un diplôme. On sait très bien tout ce tableau-là. La question qui se pose, c'est plutôt celle de comprendre les causes de la situation dans laquelle nous nous trouvons placés et d'essayer d'apporter des solutions. Alors on va y revenir, mais pourtant j'ai envie de vous dire, François-Xavier Bellamy, chaque année, quand on regarde les journaux télévisés, les nôtres en particulier, on s'aperçoit que les chiffres sont bons, qu'ils progressent, s'agissant notamment du baccalauréat au lycée ou encore du brevet des collèges. Il y a évidemment une gigantesque hypocrisie avec les examens du baccalauréat ou du brevet des collèges, parce que tout le monde sait très bien que pour atteindre précisément des proportions d'élèves qui soient acceptables et qui soient en constante augmentation, on diminue de façon proportionnelle les exigences de ces examens. Ce n'est pas d'ailleurs pour diminuer l'effort des lycéens ou des collégiens qui passent ces examens que je dis cela. C'est simplement parce que malheureusement, c'est la triste réalité. Parce que l'école n'est plus capable, prenons cet exemple tout simple de la maîtrise de la langue, parce que l'école n'est plus capable de transmettre à chaque élève de France une capacité d'écrire de façon correcte, sans faire trop de fautes d'orthographe, eh bien on en est venu évidemment à ne plus du tout évaluer la dimension orthographique des copies qui nous sont soumises au baccalauréat, et je le dis pour l'avoir moi-même corrigé pendant plusieurs années. Donc on sait très bien qu'il y a une très grande hypocrisie et qu'aujourd'hui le bac est totalement sous-valorisé. En tous les cas, il a totalement perdu sa valeur, et c'est notamment le cas dans le monde du travail, et c'est ce qui explique que beaucoup d'élèves qui sont bacheliers, mais même pour aller plus loin encore, beaucoup d'étudiants qui ont fait des études universitaires, qui sont arrivés au niveau de la licence par exemple, ont beaucoup de mal à trouver leur place dans le monde du travail parce que leur diplôme est sous-évalué, il a perdu de sa valeur à cause de cette diminution de nos exigences. Alors demain, ce sera donc la rentrée scolaire en France, c'est aujourd'hui en Belgique, c'était le cas la semaine dernière en Suisse. Alors un sujet est sur toutes les lèvres en France, c'est celui des rythmes scolaires qui font toujours couler beaucoup d'encre. La généralisation de cette réforme est entrée en vigueur officiellement aujourd'hui. On écoute à ce sujet la nouvelle ministre française de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Je suis dans la fermeté pour ce qui est de l'application des principes. Nous avons adopté cette réforme. Nous ne le faisons pas par caprice, nous le faisons dans l'intérêt des enfants. Tout démontre que les enfants apprennent mieux avec 5 matinées qu'avec 4. Les maires ont l'obligation de mettre à disposition les locaux scolaires, donc de les ouvrir. Donc ne pas les ouvrir, à contrario, c'est se mettre en infraction à la loi. Et bien sûr, quand on se met en infraction à la loi, il y a des sanctions qui tombent. Et surtout, nous ferons en sorte que la loi soit respectée. François-Xavier Bellamy, grand témoin de 64 minutes. Je rappelle que vous êtes enseignant agrégé de philosophie et l'auteur de ce livre « Les déshérités ou l'urgence de transmettre », édition Plon. On va entendre votre réaction dans un instant. Le temps pour moi de vous présenter Sylvie Brébant sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Sylvie, rédactrice en chef de Terrienne, le site dédié à la condition des femmes dans le monde, site de TV5 Monde. Vous allez interroger tout à l'heure François-Xavier Bellamy sur la question précise des inégalités entre les sexes. Mais avant donc, François-Xavier Bellamy, une réaction sur cette fameuse question des rythmes scolaires ? Ma première réaction, c'est d'abord de dire qu'on est tellement loin des enjeux. Justement, si on reprend quelques-uns des chiffres qu'on peut citer, ils sont terriblement douloureux. Quand on sait que chaque année, la journée de préparation d'appel et de préparation à la défense évalue qu'on a entre 20 et 30% des élèves français ou des jeunes Français qui sont dans une situation d'illettrisme grave, et on est en train de se préoccuper, et tout le débat éducatif est centré sur la question de savoir si on va rétablir l'école le mercredi matin. Déjà, je crois qu'on est très très loin des véritables problèmes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit ici, et c'est
D'ailleurs, étonnant de constater la dureté avec laquelle la ministre à peine arrivée aborde ce sujet. Je suis aussi élu local, je sais à quel point cette réforme est difficile à mettre en œuvre. De droite, en tout cas d'opposition à l'échelle nationale, pas à Versailles, en région parisienne. Mais je crois que des élus de gauche comme de droite ont suffisamment alerté le gouvernement pour leur dire que cette réforme avait été instaurée sans aucune concertation, sans aucune préparation, ni avec le monde éducatif, ni avec les élus locaux. Et aujourd'hui, les élus locaux, comme les enseignants, se sentent profondément dépossédés de leurs responsabilités par ce gouvernement qui leur impose, avec une tentative de bras de fer désespéré, la mise en œuvre de cette réforme. Alors venons-en au cœur de votre livre. Vous identifiez trois moments clairement définis de l'histoire de France, trois personnalités également qui, selon vous, incarnent l'échec de l'approche française de l'éducation. Dites-nous quels sont ces trois temps. En tous les cas, d'un échec ou d'une mutation profonde du regard que nous portons collectivement sur ce qu'est l'éducation. On peut distinguer, je l'ai fait de façon peut-être un peu schématique, il y aurait évidemment d'autres auteurs à citer, d'autres moments à mettre en valeur, mais on peut distinguer le travail de Descartes, celui qui nous a appris à considérer que l'éducation était en fait une tragédie parce qu'elle nous avait infligé des connaissances que nous n'avons pas contrôlées quand nous étions enfants. Le travail de Rousseau, bien sûr, décisif parce qu'il a modifié en profondeur au niveau national et international le regard que nous portions sur l'efficacité de la médiation, la rencontre avec l'adulte. Pour Rousseau, l'enfant, c'est celui qui est dans son état naturel. Il faut le préserver, il faut l'éloigner de l'influence des adultes. Et puis le troisième temps, c'est évidemment celui de Bourdieu, auquel peut-être mon ouvrage répond de façon plus directe, la dénonciation des héritages et des héritiers, qui là encore nous a paralysés parce que nous avons perçu la culture comme un élément de discrimination, comme un élément de ségrégation sociale, alors qu'elle est au contraire, je le crois profondément, comme tous mes collègues qui se sont engagés pour la transmettre, elle est au contraire un élément d'émancipation et d'ouverture à la liberté. Mais vous dites, selon vous, en tout cas, nous voulons toujours éduquer, mais nous ne voulons plus transmettre. Un professeur, un enseignant que vous êtes qui entendrait cela, ça lui ferait mal. Pourquoi est-ce qu'un enseignant ne voudrait plus transmettre ? Mais figurez-vous que les enseignants l'entendent depuis des années. Moi, c'est l'expérience que j'ai faite et qui m'a conduite vers cet ouvrage. C'est l'expérience de l'IUFM. J'ai fait partie de la dernière année l'Institut de formation des maîtres. Qui étaient les instituts chargés de former les professeurs dans leur première année. Et j'ai été accueilli avec cette consigne, vous ne devez pas transmettre un savoir, vous devez créer les conditions dans lesquelles les élèves vont produire leur propre savoir, parce que si vous leur transmettez des connaissances que vous possédez et qu'ils ne possèdent pas, bien vous créez une situation d'inégalité qui les oppresse et qui les aliène. Et ce discours culpabilisant, je crois, beaucoup d'adultes l'ont entendu de façon directe ou indirecte, comme enseignant, comme éducateur, comme parent. Et c'est un discours qui nous a inhibés. Et c'est tout simplement ce que je voulais signaler dans mon livre. Je crois qu'il est temps de rompre avec cette espèce de culpabilité qu'on fait peser sur les adultes. Alors, ceci étant dit, est-ce que le sociologue que vous avez cité, Pierre Boudin, n'avait pas raison s'agissant, par exemple, de l'égalité entre hommes et femmes ? Sylvie Brébant va vous interroger à ce sujet, François-Xavier Bellamy. C'est une question en forme un peu d'interpellation, puisque François-Xavier Bellamy, vous vous présentez comme un défenseur irréductible de l'égalité entre les sexes. Et vous soutenez que pour parvenir à cette égalité, c'est la transmission du savoir qu'il faut faire. Et je voudrais vous soumettre des chiffres. En France, 71% des filles réussissent au baccalauréat et 61% seulement pour les garçons. Et malgré cette supériorité, les filles se dirigent majoritairement vers les filières littéraires ou médico-sociales, tandis que les garçons se précipitent, eux, dans les secteurs d'excellence tels les sciences dures et les hautes technologies. Et cette orientation naturelle ne date pas d'hier, comme le montre cette fabrique des filles qui retrace la pédagogie mise en place depuis Jules Ferry pour inciter les élèves elles-mêmes à se diriger vers des filières où elles pourraient appliquer leurs qualités, on va dire, féminines. Et c'est un travers d'ailleurs qui n'existe pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, sauf en Suède, peut-être parce que dans ce pays, on a mis en place depuis des décennies ces ABCD de l'égalité que vous aimez tant détester. Alors, je vous repose la question. Croyez-vous donc toujours que c'est seulement par la transmission du savoir que l'on parviendra à surmonter l'inégalité entre les genres ? Merci beaucoup pour votre question et merci pour la formulation de votre question. Vous voyez, vous avez dit quelque chose qui me paraît très symptomatique. Vous avez dit que les filles ne se dirigeaient pas vers les filières d'excellence, mais qu'elles se dirigeaient vers les filières plutôt littéraires.
Moi qui ai fait une filière littéraire et qui suis un professeur, un métier qui est extraordinairement féminisé, je pense que je suis absolument en désaccord avec vous sur la formulation même de votre question. Je crois que les filières littéraires sont des filières d'excellence. J'en étais et je sûr ne suis absolument pas jaloux, absolument pas jaloux de mes camarades qui ont fait des carrières d'ingénieurs ou de financiers. Je crois que l'enseignement ne sont pas les mêmes quand même. Hein. Comment ? Les débouchés ne sont pas les mêmes, tout de même. Mais ça dépend à quelle aune on les évalue. Si on les évalue en termes strictement financiers, oui, c'est vrai que je gagne peut-être moins qu'un de mes amis qui serait devenu, ou une de mes amies qui serait entrée dans la banque ou dans la finance. Mais je ne suis pas moins heureux pour autant, et même je peux vous garantir le contraire. Je crois que c'est un métier dans lequel on peut trouver un épanouissement extraordinaire. La première chose, donc, c'est, vous voyez, je crois qu'il faut éviter de plaquer des modèles de réussite exclusifs comme si, au fond, vous voyez, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que les métiers vers lesquels les hommes se dirigent majoritairement, vous les décrivez comme des métiers d'excellence. Mais en fait, en réalité, n'est-ce pas là précisément faire peser une forme d'aliénation sur les femmes qui, parce qu'elles sont attirées par d'autres métiers, se voient dénier la possibilité d'incarner une forme d'excellence dans ces métiers-là ? Moi qui suis enseignant, je crois que c'est un métier qui suppose des compétences extrêmement complexes, variées, et dans lesquelles on peut exprimer une excellence particulière. Et je ne vois pas pourquoi on serait plus excellent parce qu'on a choisi d'aller compiler des tableaux Excel dans une tour de la défense. Alors comment remettre la transmission au cœur du système éducatif français ? Quelles sont les pistes que vous proposez, que vous évoquez dans ce livre ? Je crois précisément que si on reprend cette question de l'égalité, pour assurer l'égalité à tous les élèves, l'égalité entre les sexes, mais aussi l'égalité entre les origines, l'égalité entre les milieux sociaux, je crois précisément qu'il faut que l'école redevienne une école de la transmission qui offre à tous la possibilité d'accéder au même savoir, c'est-à-dire au meilleur de ce que notre culture a à transmettre, parce que, et c'est l'idée que j'essaye de défendre au cœur de ce livre, au fond, le propre de notre expérience humaine, c'est que nous ne sommes pas nous-mêmes par nature. Nous avons besoin de la rencontre avec l'autre, de la rencontre avec ce patrimoine qui nous est transmis pour devenir nous-mêmes et conquérir notre propre personnalité. Garçons comme filles, issus de milieux sociaux divers, nous avons besoin de cette culture que nous recevons. Et donc, je crois que la meilleure chose que nous puissions faire, c'est, au lieu de se focaliser sur la volonté de produire des uniformités qui ne répondent à rien, d'obliger les filles à s'intéresser à des métiers d'ingénieur parce que nous avons l'impression que c'est ça l'excellence. Vous voyez, au fond, donnons à chacun la même possibilité d'accès au savoir. Les filles qui voudront être ingénieurs seront ingénieurs. Les filles qui voudront enseigner la philosophie enseigneront la philosophie. Et de la même façon pour les garçons. Et c'est, je crois, la meilleure façon par laquelle nous pouvons servir une égalité réelle et aussi, je crois, et c'est très important, une liberté réelle de chacun et l'accès de chacun à sa propre singularité que de transmettre vraiment le meilleur de notre culture, le meilleur de notre langue, le meilleur de notre capacité d'écriture et de parole à chacun des enfants de France. François-Xavier Bellamy, merci à vous d'avoir accepté de témoigner sur TV5Monde. Les déshérités ou l'urgence de transmettre, édition Plomb. Merci à vous également, Sylvie Brébant, d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du site Terrienne sur TV5Monde.